Türküz deyince herkes bir büyük bir devletimiz olmuş ya, büyük bir millet. Quand on dit qu'on est Turc, on devient un grand État et personne ne pourra faire le brave. On sera à l'aise, mais ils tuent en mille morceaux. Celui qui vient te frappera et celui qui part, ils te couperont le soufre. Et toi, tu vas là-bas établir un tout petit État kurde et ils vont te tordre et chacun vous fera le brave, le fier comme il veut. Et tu n'auras pas de force militaire, ni force politique, ni sociale. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu auras nuit alors ainsi à la Turquie si tu la divises, si tu la sépares, qu'Allah nous en garde, et tu vas également nuire aux personnes là-bas, donc qu'Allah nous en garde, bien sûr, donc d'un point de vue... Donc soyons un ensemble, donc unissons-nous. Mon frère apprend le kurde, qui te dit de ne pas l'apprendre, mais donc quelle est la signification de forcer les jeunes, donc s'il veut lire... Et comme si c'était de force, par exemple, maintenant si je partais dans une campagne circassienne, et si tu as du sang circassien, allez, apprends le circassien. Moi, je n'apprécie pas la pression, et la langue turque est tranquille, cela me sied beaucoup, et donc c'est tout à fait une langue cultivée. Et moi également, j'ai du sang arabe, donc est-ce que je suis maintenant obligé d'apprendre l'arabe? Et c'est-à-dire, qu'est-ce donc que cela? Donc il n'y a pas de logique à cela. Et désormais, les Kurdes, vous allez diviser donc, en deux, les Kurmanjé, qu'Allah nous en garde. Il va dire, toi, t'es ceci, moi, je suis Kurmanja. Les autres, ils vont le séparer en tant que Laz, et ils vont dire, donc, on n'est pas des Laz, donc, on est une autre équipe de la mer Noire. Et il est clair que dans cela, il y a un malheur, ce n'est pas la peine de cela. Personne ne lit, donc, le fait d'être... Nous sommes fiers d'eux, des Kurdes. Bediüzzaman était Kurde, Mevlana Ali était des Kurdes. Salahaddin Ayyubi était kurde et une grande partie des savants sont kurdes, c'est-à-dire les savants de Ahl al-Sunnah, c'est-à-dire les quatre des quatre écoles juridiques. Il y a des savants, donc de ces quatre écoles juridiques, des savants kurdes, et nous sommes fiers de tous. Mon frère, donc la personne, si dans la mer Noire, si elle disait je veux une éducation en Laz, mais est-ce que ceci est un propos maintenant? Et s'il disait je veux séparer la région Laz, est-ce que ce serait logique? Non. Si tu deviendras un tout petit détail, ils te dévasteront. La Russie entrera avec les tanks et il te prendra et te finira tes affaires. Et il va dire tu es un petit état, tu dois être Souma, donc ma direction, de la manière que le Tchétchénistan, le Daghestan, le Ingush. Et la Russie va dire, donc moi si je ne m'ingère pas, c'est les États-Unis qui vont s'ingérer, donc tu vas être sous mon contrôle politique et c'est tout. Et ils feront tomber ce petit État, ou sinon les États-Unis pourront s'ingérer, ou sinon un État quelconque pourra s'ingérer, même un petit État. Mais quand tu es grand, quand tu es brave, regarde, tout le monde vient, ils font un tour et puis ils s'en vont, et c'est le énième donc tour. Et les États-Unis font un tour, donc la Russie fait un tour. Et on comprend que donc ils viennent ressentir les alentours et ils voient que on va leur casser leurs dents, et sur cette raison ils ne font rien. Et donc ce que je dis est juste, je ne dis pas quelque chose d'illogique.